Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dissident World et c'est parti. Alors, nous avions fait notre petit salon. Là, il y a un petit coin d'ombre. C'est pas gênant parce qu'il n'y a pas de mob, on est sur le biome mushroom. Mais, ouais, on pourra peut-être mettre un petit peu de... Je sais pas. On verra ça. On verra ça, les amis, on verra ça. On est sur le biome mushroom, c'est pas gênant. On va s'attaquer à l'étage, si vous le voulez bien, si vous le voulez. On va s'attaquer à l'étage. Là, vous voyez que c'est pas symétrique, donc j'ai eu une petite idée. Voilà, on peut le faire comme ça. C'est de faire une étage. Vous allez voir ça. Hop là, non. Ça commence bien. On va mettre l'armure pour libérer de l'inventaire. Parce que vous savez que moi, j'ai tendance... Ah, je suis au niveau... Donc, il va falloir rehausser le niveau si je veux. Donc, on va rehausser de là. Alors, attendez. Il va falloir rehausser le niveau si je veux pouvoir mettre des choses. Et vous allez voir. On va mettre des choses. Oh, ce qui veut dire qu'il faudra rehausser aussi toute la salle de bain et les chiottes et tout. Dites donc. Donc, on va rehausser cette partie-là. Hop. Donc ça, ça va être la partie chambre. On va laisser en basse les parties où il n'y aura rien. Ça va être la partie chambre qu'on va rehausser donc. Voilà. Donc là, on peut donc mettre nos étagères. Tac. 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 Et une en haut ici. Et là, je pense que il y aura le toit. N'est-ce pas, mesdames, messieurs? Il va m'en falloir encore. Hop. Donc, comme je le dis toujours, un épisode sans prise de tête, sans trop de préparation. Sans prise de tête, j'ai pris juste ce qu'il me fallait et le reste, on va combler. Hop, donc là, il aurait fallu truquer de deux. Ça m'arrange parce que vous allez voir pourquoi. Donc là, ça sera les chiottes. Hop là. J'ai plus d'escalier, monsieur. On va faire du coup une étagère qui se termine en coin. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais... Vous verrez. Hop là. On va se faire des... On en a là, des planches de chêne noire. C'est pas grave, on va s'en faire d'autres. Oh fuck it. J'ai pas pris ça pour ne rien faire. Comme ça, on aura... Tout ce qu'on voudra. Voilà, parfait. Non, mais. Hop. Alors, il va falloir mettre... Merde. Hop là, on va monter ça comme ça. Vous allez voir pourquoi. Hop, de toute façon, on va le laisser comme ça. Et on va... D'abord, monter celui-là.
et remettre celle-là comme ceci. Voilà. Et on a des petites étagères qui sont sympas. Qui sont assez sympas. Alors, hop, comment ça se passe pour là? Si je fais ça, 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 et ça fait deux portes. On va en faire qu'une, donc on va la faire excentrée. Je sais que ça ne se fait pas d'habitude, hein, mais on va la faire excentrée. Voilà, tout à fait. Tac, pac, pac. Donc là, on va monter pareil. Là, on va monter en haut. Parce qu'il est très 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 difficile, je puis vous l'assurer, de monter en bas. Merde, j'ai pas assez de dalles. On va mettre des dalles de chêne noir en haut. Hop. Tac. Il falloir monter, donc il va falloir que je mette des blocs. Hop, on va mettre derrière. Voilà. Voilà. Monsieur Laoulé. Tac, tac. Alors, pas besoin de boucher parce qu'on est, comme je vous l'avais dit, sur un biome mushroom. Mais en temps normal, je comblerai les vides. Évidemment, en même temps, bah, comme ça, par exemple. En même temps, des blocs, parce que de toute façon, ça va être caché. Merde. Ah, quoi que. Tac. Quoique, ça pourrait faire un petit pareil, un petit dégradé assez sympa. Tac, évidemment, il faut que ça arrive là, donc on va récupérer ça. Hop, ouais, je récupère tout hein, vite fait avant que ça dispawn. Nya. Hop là. Ah! Hop, allez, on reste là. Hop. Voilà. Donc, là, si je veux faire ça. Ouais, de toute façon, on va mettre des blocs, je pense. Donc là, si on était sur un autre biome, je mettrais, je boucherais. Hop, comme ça. Hop. Tac, tac. Quoique là, il va falloir le monter de toute façon pour le faire disparaître. N'est-ce pas? Et t'as plus de blocs. On va mettre des dalles comme ça. Hop là. Puisque le toit, c'est surtout l'aspect extérieur, hein. Donc là, on a potentiellement le milieu. Je sais pas si on va l'exploiter ou pas. Je pense pas. Voilà. Et là, logiquement, on peut. T'as la touche manouche. Hop là. Oui, je chante. T'as la touche manouche. De San Severino, si vous connaissez. C'est une chanson assez humoristique. Hein. Hop, hop.
Voilà. Ça fait un peu bloc. Non? Après, c'est une maison, hein. C'est normal qu'il y ait des trucs qui fassent un peu. Puis c'est normal que là, ça soit fermé aussi. Donc. Et qu'il n'y ait pas de fenêtres, hein. Parce qu'en général, on ne met pas des fenêtres. Hein? C'est un petit peu normal, moi, je dirais. Alors, je savais pas si je vous faisais une vidéo sur la Snapshot ou sur Dissident, mais j'ai installé la Snapshot sur serveur. Voilà. Petite marche, on rentre. Parfait. J'ai installé la Snapshot sur un petit serveur start où j'y joue avec Ombrist, MLDEG et Tigraelfin. Et manque de bol, le serveur crash tout le temps ces temps-ci. Je pense qu'ils sont en train de faire des modifications ou qu'il y a des problèmes avec la Snapshot. Et le serveur crash tout le temps. Donc voilà, ça ne s'est pas plus posé que ça du coup. On va faire, parce que vous connaissez bien, hein, les chiottes que vous connaissez bien, d'ailleurs on a du quartz. Pour ceux qui suivent, hop, hop, voilà. Hop. Ceux qui suivent Ragnablock sauront ce que je veux faire avec ce quartz. Il me semble qu'il me reste un crochet, voilà. Ceux qui suivent pas Ragnablock, eh ben vous allez découvrir tout simplement ce que je veux faire avec ce quartz. Alors attendez, il faudrait que je le place. Tita, tita, là. Que je le place là. Hop. Ce que je vais faire, que je vais. Voilà. Tita, 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 puis certains le savent peut-être aussi ce que je vais faire parce qu'ils l'ont déjà fait. Eux-mêmes chez eux. Enfin chez eux. Tac. Voilà. On fait relier ça. Comme ça, on met une trappe comme ça parce qu'on peut et parce que ça fait classe. On met un petit crochet là pour tirer la chasse d'eau, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas oublier de tirer la chasse d'eau, les amis. Important. Pour celui qui vient après, surtout, hein. Hop. Voilà. Les planches. Voilà, comme ceci. Hop. Un petit bouton. Là aussi, hein, vous savez ce que je veux faire. Ceux qui suivent depuis longtemps. Oula, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai 8. Est-ce qu'il me reste encore du fer? Ouais, j'ai un bloc de fer. Donc je peux éventuellement faire le lavabo. Donc il me faudra crochet.
Lavabo pour se laver les mains. Important de se laver les mains, les amis. Eh ouais. Bah oui, quand on sort des WC, hein, c'est important de se laver les mains. Donc là, vous savez ce que je veux faire. Hein. Laine blanche. Et pour poser le bouton, vous visez le bloc, pas l'item frame, ni l'item bien sûr, mais le bloc. Et hop, et voilà, vous avez votre papier toilette. Et ça fait marrer parce que c'est le papier toilette qui ouvre la cuvette. Voilà, les amis. Hop. On va quand même mettre des vitres parce qu'on est en hauteur et que voilà quoi. Et qu'on peut fermer aussi les volets. Hein. Non mais. On peut mettre des vitres un petit peu plus. Ah, j'ai pas du blanc. La marguerite, ça donne quoi comme. Attendez. Je me rappelle pas ce que ça donne. Nature gris clair. On peut mettre des vitres un petit peu plus teintées, peut-être. Gris clair, ça le ferait, hein. On va voir ça. On va prendre une autre marguerite. Non, pour une autre marguerite, il faut. Est-ce que j'ai. Hop là, ouais. Hop. Ouais, pour teinter les vitres. C'est automatiquement 8. Hop là. Peut-être des vitres un petit peu plus teintées, qui font un petit peu plus teintées, où on ne voit pas totalement. Ben voilà, de toute façon. C'est en hauteur, donc on ne voit pas non plus ce qui se passe. Hein. C'est pas. Hop, on place notre crochet. Hop, pour faire le robinet. Hop là. Et on va également chercher. Oui. Est-ce que j'ai des échelles? J'en ai une. Hop là. Pareil pour ceux qui suivent les épisodes depuis longtemps. Hein. Hop. Nous allons faire la petite serviette pour s'essuyer les mains. Hop là. Qui est bah, sur un petit chauffe-serviette, hein, vous vous essuyez les mains, donc vous avez le chauffe-serviette là, et vous avez la petite serviette ici, voilà, vous vous lavez les mains, vous vous essuyez les mains, et c'est parfait. Il n'y a pas de chauffe-main ou de serviette jetable, ici on est dans une maison, hein, on n'est pas dans. On n'est pas dans un truc public, hein, on est dans une maison privée, privative à privé. Ici, pour cacher le fait qu'on a agrandi, on peut mettre un placard. Ce serait quand même haut le placard. Si on met un placard avec. Ouais, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Hop, on peut mettre un placard là, vous voyez, un placard assez imposant, où on range évidemment certains produits ménagers, certaines choses, bah le canard WC par exemple. Allez hop, faisons de la pub, on n'en a rien à branler. Ah, comment qu'il parle? Oh, bah écoutez, hein, oh.
Vous avez l'habitude, vous aussi, de parler comme ça. Allez, hop, on va pas faire de détails, on va faire autant de sticks qu'on peut en faire. Hop, hop. Le cuir, c'est de toute façon pour faire que des cadres. Hop, voilà. On va en faire 8. Est-ce qu'il reste des panneaux par ici ou par là? Je sais que dans le troisième, j'ai rien. Donc, oh, là, on a 3 crochets. Ça serait intéressant quand on fera la salle de bain. J'ai plus de panneaux. Donc, on va mettre un panneau. Ça serait intéressant qu'on puisse faire des panneaux dans tous les bois aussi. Pour être sympa, écoutez. Hop. Voilà. Hop. Ah merde, c'est vrai, depuis le bug, je peux plus rien faire dans mon propre inventaire. Ah. I am maudit. Ah merde, bloc de quartz, mais qu'est-ce que je suis tâche? Aussi, je cherche à faire des trucs avec des blocs de quartz. Mais qu'est-ce que je... Et vous me dites rien, hein? Fred, t'es en train de te fail. Fred, tu fais le con. Non, 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 vous me dites rien, vous me dites rien. Vous me laissez me planter. Je retiens, je retiens, je retiens, je remarque. Alors, c'est pas tout ça, mais... Nya. Voilà. J'avais déjà des... Ne dis rien, Fred. T'en avais dans ton inventaire, tu le savais pas. Et là, hop là. Donc on va mettre des portes normales hein, qui s'ouvrent comme ça. Et là, on va mettre des portes comme ça, vous savez, qui s'ouvrent en hauteur. Pourquoi pas, ça peut être sympa, non? Non, quoique. Allez, hop, comme ça aussi. Où on peut donc ranger les produits nettoyants, les produits. Les produits. Enfin, pour nettoyer, pour le papier toilette, par exemple, pour le remplacer, tout ça. Vous allez me dire, ça manque de luminosité. Depuis tout à l'heure, je regarde comment on pourrait faire de la luminosité. Si vous doublez les murs, vous pouvez encastrer, mais les murs ne sont pas doublés. Donc, nous n'allons pas encastrer. Je suis en train de regarder. Ne vous en faites pas, hein. On pourrait faire comme ça. Une, deux, trois, une, deux, trois, ouais. On va tenter, je vais tenter un truc. Vous allez me dire hein, si ça va ou pas. Enfin, je le verrai aussi si ça me plaît ou pas. Le Minecraft, c'est aussi tenter, hein, et puis pas avoir peur de se fail. Parce que de toute façon, hein, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Voilà. Donc, ça ferait ça, limite. Pac. Et là-bas? Non. Méchant.
Voilà. Voilà. Je pourrais faire ça. Ça pourrait être assez sympa, je pense. Ça fait des néons, vous voyez? Des petits néons. Et ça pourrait faire assez sympathique. Voilà. Ça éclairerait la pièce et puis ça fait assez sympa. Je pense. Si je... Non, pas ça se posera juste comme ça, non. C'est bon. Comme ça ira. Comme ça ira, je pense. Ouais, les petits néons comme ça. Il pleut dans ma maison. Ça, je vais le laisser, c'est le centre. Hein. On regardera ce qu'on peut faire. Je vais regarder à combien on en est d'épisodes, par contre, pour pas aller trop loin dans les EP. 26. On en a 26 d'épisodes. Ça va quand même. Hop. On est pas mal là niveau chiottes, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein. On vient pas pour... On vient pas non plus pour faire la Java. Hein. Là, ici, pareil, ça sera la salle de bain ici par contre. Petite salle de bain. Hop. On va commencer à la faire à 26 d'épisodes. Je ne veux pas faire un EP trop long. Donc on va juste commencer à la faire. Je vais ranger certains trucs qui ne me servent plus pour le moment. Quartz laine blanche, on le mettra dans le deuxième coffre de la terre. Voilà. Oui, alors si je me sers de la table de craft pour tout et rien, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu, c'est que j'avais tenté d'avancer dans les snapshots, le serveur, et manque de bol, ça marchait pas, le serveur crachait, et donc je suis revenu à la snapshot initiale qui est la 18W06A. Et manque de bol pour moi. Mon inventaire s'est retrouvé à bugger. Voilà. À bugger. On pourra peut-être faire un truc comme ça. Hop. Pour faire. Vous voyez, regardez, là, ça dépasse. Voilà, ça dépasse d'un et demi. On pourrait faire un truc comme ça. Pour faire, je sais pas trop, hein. Parce que si je fais, hop, ici, on verra comment on fera dans le prochain épisode de Dissident. Alors je vous dis pas que ce sera la semaine prochaine, pour le moment, pour le moment, je vous dis pas que ce sera la semaine prochaine. Je sais pas. Hop, si ce sera la semaine prochaine ou si je ferai une snapshot ou je sais pas encore ce que je ferai. Hop là. Après, dites-moi vous si vous ce que vous avez envie de voir, hein, si vous avez envie de voir une snapshot ou un truc comme ça. C'est toujours. Faites voir un petit peu si je mets ça dedans. Voilà, il y a un stylo. Ou le stylet. Tiens, j'ai retrouvé ton stylet pour ta 3DS. Je te l'ai mis là-dedans. Voilà. Il y a toujours des cochonneries dans les petits plats, de toute façon. Mais voilà. Puis dites-moi vous aussi ce que vous avez envie de voir, hein, du Dissident, de la snapshot. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. En tout cas, on a fait les WC. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Hop, et là je vois un truc qui ne me plaît pas. Est-ce que je peux le rajouter? Non.
mieux. Et mieux, 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 mieux. Non, mais. Et peut-être qu'on peut mettre, attendez. Ben là, les tableaux sont dégueulasses. C'est pas les tableaux que j'ai dans mon pack de textures. Et parce que les packs de textures ne sont plus compatibles, vu qu'ils ont changé les bah, pas mal de trucs. Hein. Déjà, les chevaux ne sont pas les mêmes. Donc, le pack de textures est devenu non compatible. Il faut attendre pour le remettre à jour. Bah, qu'ils aient sorti la version définitive. Donc, on est obligé de se taper les tableaux moches. Et ça, j'avoue que. Avoir un tableau de gerbe dans sa chambre. Bon, on va laisser ça comme ça, un pot de fleurs tranquille. Voilà. Voilà, c'est joli, c'est joli. C'est joli. En attendant, hop, on va se mettre dans les chiottes, puisque c'est ça qu'on a fait. Hein. Pourquoi pas? Bon, on va pas s'enfermer dans les chiottes. Merde. Vous allez voir. On va faire un petit slash Wither Clear. Hein, parce qu'il n'y a pas de raison. On va poser, hop, des trucs, des choses. Hop là, allez, tout ce qui est en bois, ça aussi. On va poser l'armure. Hop. Voili voilou, on a posé l'armure. On est bien. On est posé tranquillou. Sur notre biome mushroom, bah dites donc du mushroom dans Ragna, du mushroom dans Dissident, face à l'océan. On n'est pas bien là? Franchement, on n'est pas bien là, hein? Nom de Zeus. Bien sûr qu'on est bien là, bon sang en tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié, gars, à très très bientôt. Bye bye.